L'arrangement là qui nous intéresse. On va peut-être commencer par ça. Alors, la question c'est est-ce que c'est aujourd'hui qu'on peut faire ça? Parce que si on n'a pas effectivement de limites. Naïvement, la question c'est. On a une idée quand même. On a vu dans certains endroits, on a mis des plots, et les gens ont cassé et la police n'était pas en mesure de verbaliser puisque rien n'interdisait. Dans l'attente de l'arrêter, il faudrait éventuellement coupler avec de la signalétique pour que les gens comprennent que limite la circulation des véhicules motorisés est interdite. Sensibilisation. Il faut garder des bandes de tri.
sur le site. Celle-ci, il faut les enlever. Bon, c'est tout, hein, vous voyez. Si on enlève les... Moi, je préfère qu'on enlève les arrêts. Les gens risquent de continuer. C'est pour ça que je vous aide à attendre qu'on enlève définitivement les bandes pour tout arrêter. Mais bon, sur les toits. Maintenant, c'est vous qui décidez. Je crois que c'est la même chose que moi. Chaque fois, on aura le poids de tout là. Même si on voit tout ça, les gens vont donner 5 achats de la CGT. Comme c'est plein, ça, vous pouvez les plats pour pied. Moi je pense qu'il faut enlever ça. Il y a le panneau. Et après, la bande.